Oh, il tombe. Il est vide. Oh, j'ai tellement hâte. Trop bien. Oh, ça va être ouf. Ça va vraiment être ouf. Il n'y a pas trop de monde. Parce qu'on fait toujours. Couru comme des teuteux. Ça y est, on arrive devant la gare. On a marché pendant quasiment 5 minutes. En vrai, ils ont vraiment bien géré les flux de visiteurs. C'est super agréable. On se sent pas oppressé malgré le fait qu'il y a énormément de monde. Ils dispatchent les gens au fur et à mesure. C'est vraiment super agréable. Bravo Europa Park pour sa gestion de flux. 60 minutes déjà. Il y a du bruit, mais oh là là, c'est génial! On s'approche doucement d'un Fantasia Land Fly. Ouais, gentiment, ouais. Oh, il y avait la pilote, t'as vu? J'ai vu, il y avait des bugs, genre l'eau elle marchait pas et elle retombait sur les gens. Ah, du coup, ils ont arrêté l'eau. Oupsie! Transition! Oh,
pas le voir à la fin là. Ah, il est d'une longueur. Ah, il est trop bien. Non, oh, il est bien. Il est bien, il est violent. Ah. Je pense en extérieur, il est vachement plus violent. Il est beaucoup plus violent. Il fait 10 minutes. Ah, tu vois, c'est bien le seul. Bon, on sort de notre premier tour de Voltron effectué en moins de 40 minutes. Je trouve ça très très beau, ça débite, vous n'imaginez même pas, c'est impressionnant. En fait, on est constamment en train d'avancer, du coup on s'ennuie pas parce qu'on est constamment en train de découvrir une ville. Même les 40 minutes sont passées très très vite parce qu'il y a vraiment ce qu'il faut en décor. Et franchement, quand on rentre dans cette grande pièce là que j'ai vue, je me suis fait spoiler en l'enrageant en travers, alors que ça fait, ça fait une semaine que j'essaye de pas me faire spoiler, j'ouvre très peu les réseaux pour ça. J'ai quand même réussi à me faire spoiler un peu le... j'avais vu le mannequin je crois. Enfin, bref. Je me suis rien fait spoiler, mais c'est magnifique. Ah ouais, je l'avais vu le mannequin du coup, tu vois. C'est magnifique, ça donne envie de pleurer tellement c'est beau. Ouais, franchement. Pour une fois que des parcs nous font les trucs bien. Genre, moi aussi, franchement, j'avais la larme aux yeux, je vous jure. En sensation pure, quand tu rentres dans la gare, t'es là en mode waouh, ok. Là, on est dans un parc thématisé. Oui. Bah, et puis c'est magnifique, t'as les trains des deux côtés, t'as les bobines Tesla, t'as tout. Non, et puis même, ils sont trop forts. Après, c'est vrai qu'un truc que j'ai pas pris en compte, on est le matin. Il est peut-être moins chaud, mais j'avoue que pour l'instant, je reste sur ma faim. Mais après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore compris tout à fait le ride et les figures qu'on enchaînait. Ouais, mais sauf que ça va vite, mais je sais pas. Je sais pas, pour l'instant, mais je pense que c'est parce que c'est le premier tour. Mais tout à dit, c'est vrai que j'en étais ressorti quand on l'avait fait l'année dernière. Ouais, genre je m'étais pris une baffe. Waouh. Et genre là, je suis ressorti, genre ok, c'était un bon tour. Disons que j'aurais aimé me prendre une baffe. Je pense que c'est plus ça aussi. Bah, je crois que j'avais beaucoup d'espoir. Mais il y a beaucoup d'airtime et des gros airtime. Mais après, on m'a dit qu'il fallait le refaire absolument à l'arrière. Donc on va essayer de le refaire tout derrière quand il sera chaud et puis bah on verra bien. Sur le coup, j'avais peur un peu que cette histoire d'étape de transfert casse le rythme, mais en vrai, ça va parce que je trouve que ça permet de respirer et du coup, on profite vraiment du ride. Donc, au final, ce que je pensais relou, c'est un point positif. À vous dire que j'ai dû faire une liste qui est longue, sa maman. J'espère vraiment que vous aimez la technique parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment fait exprès de filmer l'entièreté des LSM, que ce soit au-dessus, en dessous. On voit les freins, on voit les capteurs. J'espère que vous avez fait attention à tous les capteurs qu'on voit parce que je les trouve magnifiques. Vraiment, j'aime beaucoup la technique parce qu'on en voit beaucoup. Parce qu'il nous laisse aller à côté du launch 2, on voit vachement bien le launch 1. D'ailleurs, par rapport au launch 1, je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour installer tout ça, parce que on dirait pas, mais ça reste compliqué comme technologie. Alors qu'ils arrivent à mettre ça à je sais pas combien de mètres de haut, à l'envers, franchement, à mettre en route, ça doit vraiment être un enfer. J'aurais grave aimé être l'ingé ou l'OP ou je sais pas qui montait là-haut. Mais ça devait être trop bien d'être suspendu comme ça dans le vide à des rails. Oh. Dans la file d'attente, pareil, une chose que je n'avais pas vue le premier jour mais qu'on voit ensuite, il y a énormément d'éclairs brûlés. Si vous regardez, on sent qu'il y a eu des arcs électriques qui sont passés par là, et notamment sur la grosse structure en métal, l'espèce de pont à gauche dans la salle quand vous êtes en face. On voit vraiment que c'est un éclair qui a défoncé le pont, que l'énergie elle a d'ailleurs brisé le tuyau et on trouve un des morceaux de tuyau par terre. Donc vraiment, jusqu'au bout c'est respecté, parce que justement Julien me disait mais ils ont pas respecté la taille des tuyaux. Mais si, il y en avait un qui était par terre, donc ils ont vraiment respecté le truc jusqu'au bout, je trouve ça génial. Les arcs électriques créés par les bobines Tesla. Alors là, GG Europa Park, parce que ça, c'est un ajout de malade. Les gens, ils ont tendance à applaudir quand ça se finit, parce que c'est vraiment incroyable. Genre, tout le monde est là, waouh. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui pensaient même pas que c'était des arcs électriques. Ça. Attends, il y a des fils, comment ça passe? Oui, l'air est conducteur, ça marche. Et du coup, pendant ces fameuses arcs électriques, la grosse performance, c'est qu'ils ont réussi à faire l'hymne. Je pense que c'est l'hymne de la Croatie, en vrai, ce serait logique. Je sais pas, faudra que tu regardes. Ou une chanson, en tout cas, c'est sûr, il y a une chanson qui est jouée.
c'est grave fort, je savais pas qu'on pouvait faire ça et je pense que je vais justement chercher un peu sur la technique. Bon, ça doit être une technique à mon avis simple, pour moi, c'est électrique avec de la fréquence. Pour moi c'est de la fréquence ou un bail comme ça, mais je trouve ça vraiment bien. Transition. C'est génial, on peut passer littéralement dans Voltron, il y a une toute petite zone là. On voit le launch et tout, c'est magnifique. Ça m'a fait peur. Je m'attendais pas du tout. Waouh, mais en fait il va super loin, je voyais pas qu'il allait aussi loin. Mais c'est trop beau, je sais pas si vous voyez, vraiment on est au cœur de Voltron et juste là, il y a les LSM, c'est magnifique, j'adore. C'est une trop bonne idée. Franchement, c'est trop agréable. En plus, il y avait des petits et tout qui pouvaient regarder, c'est trop bien. Zone là et il y en a un qui passe à gauche, il y en a un qui passe à droite, ça passe au-dessus, ça revient. C'est impressionnant, c'est magnifique. A few moments later. J'ai peut-être passé pour une meuf aigrie, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Il vibre, mais vraiment, il vibre. Mac, c'est... comment vous faites? Il a 3 semaines. Il a 3 semaines. Est-ce que vous nous voyez? Vous ne voyez pas beaucoup? Mais je crois que c'est Mac qui a des problèmes. Mais oh ouais, non. Sinon, mais il vibre, c'est un enfer. Franchement, je vous jure, sans vous mentir, c'était douloureux. Genre, c'était même pas, vas-y, je force et j'aimerais bien qu'il vive pas. Non, c'était douloureux. Oh putain, ça a l'air, ça vibre! Mais c'est quoi ça? Non, que ce matin! Mais ouais! Oh putain, la session de torture, je te jure! Oh, il est une violence! C'est tout neuf, c'est du mag et ça vibre. Ah ouais, c'est tout neuf, ça vibre. Mais je pense que c'est ça le truc qui te dérange. Oh, putain, mais ça fait un mal de crâne. Là, ça va, mais je pense qu'à l'extérieur, il vibre plus. Je te jure que vraiment, il me mettait des taquets méchants. Mais par contre, il met des taquets, genre il... Ouais, il écrase, il... Ouais. Ouais, il est pas très smooth en fait. Ah, mais il est tout sauf smooth. Attends, il a quoi? Il a 3 semaines. Mais non, mais parce qu'il est créé comme ça, genre tu vois bien le vrai avec des petits bons qu'il fait, genre il est... Mais en fait il est fait pour faire des éjecteurs, why not, mais le problème c'est que ça c'est pas long. Mais genre il fait vraiment des éjecteurs parce qu'il fait limite la zone à l'extérieur pire ouais. Qu'à l'intérieur. Moi j'ai vraiment l'extérieur là c'est pas passé, on était au 3e mois, on était même pas au 4e mois, on m'a dit soit au 4e tu verras, il y a plus sensation, je suis d'accord. Bah faux. Après ce qu'on m'a dit aussi, parce que j'ai des amis qui l'ont déjà bien chain ride, ils m'ont dit il y a 2 trains sur les 6 qui vibrent, ça se trouve on est vraiment tombé sur le mauvais. Mais sinon le parcours est bien, mais par contre il est très saccadé comparé à un, si on compare à un paf, tout à 10, paf, paf, ouais. À un tout à 10 qui est aussi un assez récent, il est assez saccadé par rapport à tout à 10 qui est smooth dans son parcours. En vrai, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de le refaire tout derrière et tomber sur un autre train. Ouais. Parce que c'est vrai que là. Mais là, on choisit pas trop, il y a trop de monde. Et en fait, tu peux pas. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est que la gare, il t'expédie très vite, mais du coup, tu peux pas choisir en fait. Et c'est un peu frustrant pour nous quand même. Mais après, le tout premier tour, on a eu de la chance parce qu'on était tombé sur tout devant. Donc, du premier coup, tout devant, plus on avait eu un train qui ne vibrait pas. C'est super, les lampadaires là. Cela-là, je vais vous montrer en vrai, je vais juste mettre l'image partout, ce sera plus simple. Ils font lumière et son en même temps, c'est ultra bien intégré, ils sont magnifiques, j'adore. Franchement, c'est les petits détails comme ça, mais vous savez, genre, soit tu te dis, ok, là les gars étaient ingénieux, c'est trop beau, j'aime trop. Bisous, bisous. Oh bah attends, non, on... L'autre il fait le bisous, j'ai encore plein de choses à vous dire, il est pas bien.
qui vibre. On a refait Voltron. Alors moi du coup tu vois que je suis au milieu, il vibre moins, donc ça veut vraiment dire que la place extérieure ça va être un enfer avec le temps. Et c'est déjà un enfer, il a 3 semaines. Après, est-ce que c'est parce qu'on a eu le même train? Je suis trop bête, j'ai pas regardé les numéros de train. J'ai essayé de voir, j'ai pas trouvé les numéros. Je pense que c'est... Enfin, j'ai regardé dessous et sur le côté, j'ai pas vu. Alors c'est là où c'est fou, c'est que tu te dis électroniquement, le ride il est impeccable, la table de transfert elle tourne nickel. T'as les lunchs qui te fout des claques au point que ça m'a fait craquer le cou dans le lunch 2. Donc là on dira oui, ça fout des baffes. Mais sauf que mécaniquement, c'est loupé. Les gars, c'est loupé. The next day. Je vous promets que la zone là c'est vraiment vraiment un bel ajout parce que sans vous mentir on vient de pester avec Julien comme quoi il y avait trop de points de vue à faire et qu'on savait plus où filmer. Ça fait 10 minutes qu'on est là et qu'on n'arrête pas. C'est génial. Et en plus du coup on voit qu'il y a un gros débit parce que c'est vraiment pas compliqué de filmer ici. À quoi il ressemble, mais en fait je suis tellement perturbé par la montée verticale. Oh ouais, mais laisse tomber. Non mais le toit. Attends, ah le toit là-haut. Non, le toit là du ah en dessous. Oui, j'arrive. Ah ouais, j'avoue. J'ai essayé de regarder, j'ai pas réussi. Ce qu'on avait fait avec Julien, c'est qu'on a réussi à tenir 2 semaines sans se faire spoiler Voltron. 2 semaines complètes, je vous jure, quand vous êtes abonné qu'il y a des chaînes de coaster, je vous jure que c'est compliqué. Bon, va falloir qu'on change un petit peu la vie de la veille parce que probabilité d'avoir 2 fois le train merdique sur 3, on l'a eu quand même 2 fois. Mais sur 4 rides, 3 rides. Sur 3 rides, ouais. Sur 3 rides. Donc 2 fois sur 3. Du coup, le train numéro 5 ne vibre pas et le train numéro 3 ne vibre pas. Et bizarrement, le ride est confortable, mais c'est agréable, on là, c'est profite bien. Là, ok, là il est bien. Là il est bien, ouais. Mais à l'extérieur, ça vibre toujours un peu plus, mais c'est normal sur ces rides-là. C'est vrai que moi, au milieu là, mon ride est agréable. Genre, mais ça vibre, mais c'est largement raisonnable. Après, ouais. Je pense que dans tous les cas, il est violent. Donc il fait mal à la tête dans tous les cas. Mais... Ouais, en vrai, je pense qu'il met la blinde de géant, on s'en rend pas compte. Ouais, ouais, même les freins, ils sont puissants. C'est vrai qu'il est assez violent. Non, il est violent. Mais il est bien, là, ok, là je comprends peut-être un peu plus pourquoi il est devant tout à Tis. Mais j'ai toujours un petit En fait, la figure et tout est incroyable. Alors faut le faire derrière, ça je rejoins. Ouais, je maintiens que derrière je le trouve plus violent que devant. Après, à nuancer, parce que quand on l'avait fait tout devant, c'était le début de la journée. Et là, ça en a fait 2 fois tout derrière en fin de journée. Donc c'est vrai que à nuancer. Mais il envoie. Ouais, il envoie. Mais le faire. Il envoie vraiment. Technologiquement, il est vraiment incroyable. Moi, il m'a vraiment surpris. Et vraiment un gros coup de cœur sur la table de transfert au bout. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, la table tournante. Ouais, j'appelle ça une table de transfert parce que normalement, pour moi, quand il y a un train dessus, t'appelles ça une table de transfert. Et quand t'as pas le train dessus, t'appelles ça un switch. Sauf que là, ça tourne. Donc je dirais quand même table de transfert. Mais vraiment gros coup de cœur sur la musique qu'ils ont mis, l'écran et tout. Enfin, c'est génial, c'était je trouve ça génial. Oh ouais, c'était grave. Et justement, comme là, ils ont mis de la bonne musique. Et bah moi j'ai un petit regret, et comme je suis un peu fan de RTH, ils auraient dû mettre de la musique en marque. Ah, je suis tellement fan. Mais bon, ça c'est moi, j'aime bien. Ouais, après chacun ses goûts, ouais. Ses couleurs. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, la musique qu'ils mettent dans la table transfert, c'est celle qu'on retrouve dans la file d'attente quand on est du mauvais côté. Je sais pas, je peux si, pas parce dire. Que t'as la voix opéra en train de dire « Voltron, ne verra ». Ouais, c'est bien ça. Oh. Bon allez. Bon, j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. C'est Et bien. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous, bisous.